souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les solutions pour les jeunes, l'emploi et le développement des zones rurales en lien avec la décennie des Nations Unies sur l'agriculture familiale. Saviez-vous que le Kirghizistan fait partie des pays les plus jeunes du monde? C'est le pays le plus jeune, en tout cas dans la région Europe et Asie centrale, avec l'âge médian dans le monde étant de 26 ans, le plus jeune étant le Nigeria à 15 ans, et de façon intéressante, Monaco, 53 ans. Mais le classement du Kirghizistan dans le monde est, est seulement à la place 83. Donc, la région Europe et Asie centrale, comparée au reste du monde, reste composé de pays relativement âgés. Saviez-vous également que le taux de chômage le plus élevé parmi les jeunes dans la région se trouve en Macédoine du Nord, avec un taux de chômage de plus de 45% parmi les jeunes? Je pense que vous savez qu'un tiers de la population en Europe et Asie centrale vit dans les zones rurales. Et je pense que ça, c'est un point très important pour notre discussion aujourd'hui sur les jeunes. Je voulais donc vous souhaiter la bienvenue encore une fois à ce webinaire qui est organisé par le Bureau régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale en préparation de la conférence régionale qui est l'organe directeur principal pour la région. Cette conférence aura lieu du 2 au 4 novembre 2020, sera organisée en ligne et sera présidée par le gouvernement de l'Ouzbékistan. Donc cet enregistrement vidéo est une introduction du point 10 de l'ordre du jour sur la table ronde ministérielle qui se tiendra le 2 novembre à 10h30. Donc si, après avoir vu cette vidéo, cela vous donne envie, vous pourrez suivre la table ronde ministérielle. Et cette discussion était en lien également avec un document qui a été préparé pour la conférence, dont la cote est ERC/20/3, que vous pouvez trouver sur le site web de la conférence régionale sous la réunion Conférence régionale pour l'Europe. Je suis Raymond Yele, je suis l'animateur de cette discussion aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. Le rapport récent sur l'insécurité dans le monde indique qu'en 2019, il y avait toujours 760 millions de personnes souffrant de malnutrition dans le monde. C'est un véritable danger, notamment parce que nous faisons face également à une augmentation de ces chiffres à cause de la crise de la COVID-19. Les estimations indiquent qu'il pourrait y avoir des augmentations de 80 à 130 millions de personnes supplémentaires d'ici l'année prochaine. Donc nous sommes encore bien loin de la réalisation de l'objectif de développement durable sur la faim zéro à l'horizon 2030. D'un autre côté, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que le débat ministériel de cette année sur l'agriculture, les pêches, les forêts reste un élément essentiel pour de nombreuses économies dans la région. Même si la pauvreté dans la région Europe décline, cette tendance se ralentit. Et nous devons trouver des solutions pour les zones rurales, pour faire participer plus les jeunes. Nous devons créer des opportunités d'emploi, un secteur agricole vibrant pour produire une alimentation, des aliments sains de façon durable. La crise de la COVID a également démontré que le secteur agricole et notamment les petites exploitations de petits exploitants ont fait preuve de résilience. Mais est-ce que cela va se poursuivre? Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir discuter de ce sujet avec plusieurs experts, praticiens renommés dans ce domaine. Je vous souhaite la bienvenue tout d'abord à Natalia Bogdanov, professeure à la faculté d'agriculture de l'université de Belgrade et autrice de nombreux articles et articles de recherche dans le secteur de l'agriculture et du développement rural. Je la cite dans un de ses rapports où elle dit « L'agriculture et les politiques de développement rural représentent un défi clé pour le processus d'intégration des pays Balkans occidentaux dans la région européenne ». Je souhaite également la bienvenue à Ramona Duminiciu,
paysanne de Roumanie et également membre de la coordination européenne de Via Campesina. Je pense qu'elle a également fait partie des négociateurs des directives volontaires sur les systèmes alimentaires. Elle est très passionnée, c'est une représentante très passionnée qui fait la promotion également de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans. J'aimerais la citer également en reprenant ce qu'elle a dit dans une de ses vidéos. Si les agriculteurs disparaissent, la question qui se pose, c'est qui va nourrir le monde? Et je pense qu'en effet, c'est une vraie question. Je suis ravie également de souhaiter la bienvenue à Eline Hofström-Kagerman, secrétaire générale des jeunes ruraux en Europe, une ONG rassemblant les jeunes des zones rurales, a été créée en 1957, qui représente plus de 500 000 jeunes vivant dans les zones rurales. Et je pense qu'il y a un élément clé qui intéresse beaucoup Elaine, c'est d'accroître la participation des jeunes à la prise de décision. C'est essentiel pour permettre aux jeunes de développer leur communauté rurale de façon durable. Je souhaite la bienvenue également à Besik Kolbaya, un éleveur de Géorgie. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, Besik. Et j'ai apprécié ce que vous avez dit lorsque vous disiez que la Géorgie était un pays de perspective pour les petits exploitants et l'agriculture. Alors, c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons plus tard. Et puis, afin d'avoir une bonne représentation également des jeunes agriculteurs, je suis ravie d'accueillir Doris Letina, jeune agricultrice de Slovénie. C'est une des quatre vice-présidents du Conseil européen des jeunes agriculteurs. Elle a dit, je la cite, le secteur agricole souffre déjà d'un âge très élevé des agriculteurs et est également sous pression sur le plan économique et social. Donc il y a différents points à prendre en compte. Et enfin, j'aimerais également souhaiter la bienvenue à Kanat Tilekeyev, qui est chercheur principale à l'Université d'Asie centrale du Kirghizistan, qui a écrit de nombreux articles sur les zones rurales et qui a souligné dans une de ses études récentes sur les petits exploitants réalisées pour la FAO qu'il était clé de dispenser plus de formation pour les agriculteurs, notamment dans le domaine des actions nécessaires pour le développement durable. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue à cette table ronde virtuelle, discussion virtuelle qui va se tenir pendant 40 à 50 minutes. Avant de nous lancer dans nos débats, nos discussions, nous allons examiner un peu plus près cette question de la situation des zones rurales dans la région. Et je vais donner la parole, nous allons entendre Morten qui va nous faire une présentation vidéo. Lorsque je grandissais au Danemark dans les années 70 et 80, mes grands-parents avaient une petite ferme. Mes parents ont quitté les zones rurales pour aller en ville pour trouver du travail. C'est l'histoire de nombreuses familles dans la région. Et l'agriculture familiale reste pourtant la colonne vertébrale de l'agriculture dans de nombreux pays, qu'il s'agisse de pays membres de l'Union européenne ou de l'Asie centrale. Près d'un tiers de la population en Europe et en Asie centrale vit dans les zones rurales. Et les structures agricoles dans de nombreux pays sont dominées par des petites exploitations familiales de moins de 5 hectares. C'est notamment la situation dans les Balkans de l'Ouest, dans le Caucase et dans la plupart des pays d'Asie centrale. Des études récentes de la FAO sur les pays ont constaté que les petits agriculteurs familiaux faisaient face à de nombreuses difficultés. Les petits exploitants, généralement, ont un accès limité aux finances, ils utilisent des technologies obsolètes, ils ont des intrants de mauvaise qualité et de faibles qualifications. De nombreux défis sont les mêmes ou en tout cas interconnectés avec ceux auxquels font face les jeunes des zones rurales. Et je pense que les solutions aux problèmes peuvent être également intégrées. Au fil des ans, la pauvreté rurale a baissé, mais cette tendance s'est ralentie. Dans de nombreux pays de la région, le revenu moyen de la population est plus faible dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Et la pauvreté a également un aspect sexo-spécifique. En Géorgie, près de 17% de la population urbaine
en 2016 vivaient sous le seuil de pauvreté nationale, alors que pour les populations rurales, ce même chiffre était de 26%. Les populations rurales, notamment les femmes, les jeunes et d'autres groupes défavorisés, ont beaucoup moins d'opportunités d'emploi décents et souvent n'ont pas accès à de bonnes conditions de vie et de travail. Dans les zones rurales, souvent, on ne trouve que des emplois précaires ou peu qualifiés. En même temps, l'agriculture reste une partie essentielle des nombreuses économies dans la région. En Albanie, l'agriculture représente un tiers de l'économie. Les besoins, les contraintes des petits exploitants et des agriculteurs familiaux se sont approfondis au cours des 6 derniers mois à cause de la pandémie de Covid-19. Les études rapides qui ont été réalisées par l'FAO ces derniers mois montrent qu'il y a de plus grands problèmes sur le plan financier pour les acteurs de la chaîne de valeur et également pour les petits exploitants. Souvent, ils ont peu de capacités et de ressources pour faire face à la pandémie et il est important d'accroître leur résilience. Les petites exploitations familiales ne représentent pas un groupe homogène. Il n'y a pas de solution unique pour tous. Il faut en tenir compte lorsqu'on pense à des recommandations politiques pour leur développement. Il y a tout d'abord les petites exploitations qui ont le potentiel, les connaissances et un accès aux ressources humaines et financières pour se développer et devenir des exploitations familiales commerciales, le type de ferme qui constitue la colonne vertébrale des structures d'exploitation dans la plupart des pays membres de l'Union européenne. Ensuite, il y a une partie de la population dans les zones rurales qui a le potentiel et les ressources pour diversifier l'économie en mettant en place une activité commerciale qui n'est pas directement liée à la production agricole primaire, mais qui est liée à la transformation, par exemple, des produits agricoles ou au tourisme rural ou à l'artisanat. Et enfin, il y a également une partie de la population rurale qui souvent n'arrive pas à se développer ultérieurement. Cela inclut les plus âgés et les plus vulnérables qui risquent d'être abandonnés au bord du chemin. Ces groupes doivent être appuyés grâce à des mesures de protection sociale. Et cela dit, il faut se souvenir également du fait que de nombreux foyers dans les zones rurales ont différentes stratégies de moyens d'existence qui leur permettent de combiner des différentes sources de revenus provenant de l'agriculture ou en dehors de l'agriculture. C'est une partie du problème, ça peut être également une partie de la solution. Alors ces problèmes, les petits exploitants y font face, mais également les jeunes des zones rurales dans la région, avec des taux de chômage très élevés dans de nombreux pays. En 2017, le taux de chômage chez les jeunes en Arménie était de 38%, en Bosnie-Herzégovine de 34%. Malheureusement, souvent, les jeunes ont plutôt intérêt à quitter les zones rurales pour avoir accès à une éducation supérieure de plus grande qualité. Cela réduit bien sûr le capital humain dans les zones rurales. Et dans des situations, il devient essentiel de rendre les exploitations dans les zones rurales et l'agriculture plus séduisantes pour les jeunes, parce qu'ils ont un rôle essentiel à jouer pour revitaliser les zones rurales. On a besoin de politiques intégrées et holistiques. Les jeunes sont également l'avenir de l'agriculture familiale, dont les deux sujets sont très interconnectés. En outre, les jeunes qui vivent dans les zones rurales de façon temporaire, eh bien, cela peut créer des problèmes et également des opportunités, puisque les envois de fonds sont investis dans l'agriculture, dans le développement d'autres entreprises rurales. Les jeunes agriculteurs sont plus ouverts que les plus anciens agriculteurs et sont à même d'explorer des opportunités pour produire des revenus de différentes sources. Les investissements dans le développement de l'agriculture et des zones rurales visant les besoins des petites exploitations familiales et des jeunes, c'est une précaution pour avoir une croissance plus durable et inclusive. Cela peut inclure passer d'appui direct à un appui aux investissements. L'innovation, la transformation numérique est importante dans de nombreux aspects pour appuyer à la fois l'agriculture familiale et les jeunes avec de bons services de conseil, l'innovation également ou un meilleur accès au marché. Les besoins, la formation des jeunes, des agriculteurs se développent, les agriculteurs doivent prendre des décisions plus complexes. Les jeunes dans les zones rurales peuvent être également des moteurs de la transformation numérique. L'agriculture familiale est essentielle pour la réalisation de nombreux objectifs de développement durable et particulièrement cruciale pour la cible 2.3 sur le doublement de la productivité et des revenus des petits producteurs. Alors, il y a 9 points d'action. Promouvoir la transformation structurelle du secteur de l'alimentation et de l'agriculture, élaborer des plans d'action nationaux en faveur de l'agriculture familiale, adopter des approches de développement communautaire, territorial et intégré,
créer des systèmes alimentaires inclusifs en favorisant le partage d'informations, de connaissances et d'expertise et faciliter les innovations et la numérisation, accroître le niveau de soutien à l'investissement en faveur des petites exploitations familiales et des jeunes entrepreneurs, encourager les investissements responsables dans les infrastructures publiques, la numérisation, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, et également la protection sociale. Élaborer des politiques de soutien à la jeunesse rurale, surtout en ce qui concerne l'accès à la terre et aux autres ressources naturelles, et améliorer les possibilités de création d'emplois décents, donner davantage de pouvoir aux jeunes en les associant à la gouvernance et à la prise de décision, et demander à la FAO de continuer à aider les pays de la région dans la transformation des zones rurales et l'amélioration des moyens d'existence des exploitants familiaux et des jeunes. Il n'y a pas de solution rapide à mettre en place. Mais la décennie des Nations Unies sur l'agriculture familiale 2019-2028 avec son plan d'action mondial peut servir de cadre pour les pays pour élaborer des politiques publiques et des investissements publics à l'appui de l'agriculture familiale et c'est une excellente opportunité d'accroître cet appui. Je vous remercie de votre attention. Bien donc, Morten soulignait dans cette introduction l'importance de la numérisation et de l'innovation. Et il a notamment souligné, je pense que nous sommes tous d'accord, que les jeunes agriculteurs ont un rôle important à jouer. Alors, en fait, j'aimerais maintenant m'adresser à vous, Doris. Vous venez de la Slovénie, où il y a un paysage agricole magnifique. Pensez-vous que les jeunes agriculteurs seront un moteur clé pour faire entrer la numérisation dans les zones rurales et dans l'agriculture. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela se concrétise? Merci. Alors, c'est vrai que cela a déjà été dit, mais il faut le répéter. Les jeunes agriculteurs, les jeunes des zones rurales et l'agriculture familiale, c'est l'avenir pour le développement durable. Nous devons nous assurer que et dans les zones rurales, il y a des espaces dans lesquels les jeunes peuvent obtenir de bonnes opportunités sur le plan personnel, social, d'éducation également et pour le développement professionnel. Et il y a différents points très importants. Il y a de nombreuses synergies qui sont en place aujourd'hui pour les jeunes agriculteurs et les jeunes entrepreneurs. Il y a différents mécanismes qui sont à notre disposition. Il y a tout d'abord les programmes de formation professionnelle tout au long de la vie et puis d'autres programmes dont nous disposons déjà ou que nous devons créer pour, par exemple, faire de l'apprentissage par les pairs. Il est nécessaire de promouvoir cela pour également développer l'utilisation des nouvelles technologies, pour mettre en place des plateformes qui permettront aux jeunes du monde entier d'interagir les uns avec les autres, mais également avec d'autres parties prenantes. Et puis, deuxièmement, bien sûr, l'argent est le nerf de la guerre, comme nous le savons. Donc, nous avons besoin d'investissements ciblés sur ce type d'activité pour disposer ensuite d'instruments bien financés. On en a besoin sur les exploitations et dans les zones rurales. Pour le développement futur des agriculteurs familiaux, des jeunes agriculteurs et des entrepreneurs dans les zones rurales. Et puis, ce qui est très important également, c'est de mettre en place une coopération transparente entre toutes les parties prenantes dans chaque chaîne alimentaire, en incluant les agriculteurs. Les agriculteurs qui doivent par exemple obtenir le prix juste pour leurs produits. Il faut également améliorer l'accès aux terres pour les jeunes agriculteurs, pour les agriculteurs familiaux. Et là, on dispose encore de différents mécanismes pour ce faire. Et on peut par exemple penser à la mobilité. Pardon, je vous interromps. Bon, là, vous abordez les questions de politique. Nous y reviendrons plus tard. Mais je voudrais continuer à parler de la question suivante. Qu'est-ce qui rend les zones rurales attirante pour les jeunes? Vous avez fait référence à la numérisation. Est-ce que c'est quelque chose justement qui peut rendre ces zones séduisantes pour les jeunes? Je vais peut-être demander à Basic, qui est ici avec nous également, qui est un jeune agriculteur de Géorgie. Alors, peut-être que depuis la Géorgie, vous rêvez de l'appui qui est donné dans l'Union européenne aux jeunes agriculteurs. Mais d'après vous, est-ce que la numérisation est vraiment
quelque chose qui peut rendre l'agriculture plus séduisante pour les jeunes, également en Géorgie, pour que l'agriculture devienne plus séduisante. Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour appuyer le secteur de l'agriculture? Alors bon, vous êtes jeune, mais par exemple, est-ce que vous recommanderiez, conseilleriez à votre fille d'être active dans le secteur de l'agriculture à l'avenir? Votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Je suis Bessie qui vient de Géorgie. Alors tout d'abord, je voulais dire que la Géorgie a d'excellentes perspectives d'avenir parce que vous savez, en Géorgie, nous disposons de milliers d'excellentes expériences dans le domaine de l'agriculture, pour la production de vin ou de fromage. Ce dont on a besoin maintenant, c'est une meilleure éducation, plus de connaissances, plus d'appui de la part de notre pays et d'organisations internationales. Et puis, de véritables propositions s'adressant aux jeunes pour que les jeunes agriculteurs puissent jouer leur rôle qui est important pour le pays. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Mais est-ce que vous conseilleriez à votre fille de devenir agricultrice? Oui, bien sûr, je lui conseillerais parce que elle est vraiment très douée pour ça. Alors, bon, si elle le décide, moi, j'en serais ravie. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Hélène, en tant que secrétaire générale de la Jeunesse rurale, vous représentez 500 000 personnes dans 20 pays. Et vous êtes toujours du côté des jeunes dans les zones rurales. Vous travaillez sur ces politiques s'adressant aux jeunes. À votre avis, de quoi avons-nous besoin? À votre avis, est-ce que vous recommanderiez à la prochaine génération déjà de s'impliquer dans l'agriculture? Comment s'assurer que les jeunes des zones rurales restent dans ces zones? Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que en 2018, nous avons travaillé dans un partenariat pour un projet de recherche mené en Écosse. Et une des conclusions, c'était que 50% des jeunes qui ont répondu ont dit qu'ils avaient décidé de vivre là où ils vivaient à cause des liens avec leur famille et leurs partenaires, alors que 24% ont dit que c'était lié aux opportunités d'emploi dans les zones rurales. Cela montre bien l'importance de la structure sociale dans ces zones et il est important d'aider les jeunes à créer leur réseau social et pour créer ce sentiment qui est très important d'appartenance également dans le secteur de l'agriculture familiale. Et ce qui peut faire obstacle, bien sûr, c'est par exemple un accès limité aux infrastructures, qu'il s'agisse d'Internet ou d'un accès à des logements abordables ou même le transport local pour pouvoir vous déplacer. Parce que souvent, on oublie que les jeunes, avant de pouvoir conduire une voiture, eh bien, ils ont beaucoup de mal à se déplacer dans les campagnes. Et bien sûr, cela a un effet sur leur choix de rester à la campagne ou de partir de la campagne ou de construire leur famille dans les campagnes, parce qu'ils peuvent faire face, parfois ils peuvent ne pas vouloir imposer les difficultés qu'eux-mêmes ont rencontrées à leur famille. Et Hélène, est-ce qu'il s'agit seulement d'infrastructures ici? Parce qu'on a dit que, par exemple, l'Union européenne a investi des millions d'euros dans les infrastructures des zones rurales. La question qui se pose, c'est est-ce que l'agriculture est toujours séduisante pour les jeunes? Oui, évidemment. Évidemment. Et également de par les aspects sociétaux de l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, on trouve des communautés et on fait partie d'une communauté. Il y a également les organisations des jeunes agriculteurs. Ça, c'est très important pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui souhaitent s'investir dans ce mode de vie. Parce que je crois qu'un des plus grands obstacles, c'est parfois de ne pas disposer des bonnes connexions. Vous ne connaissez personne qui vit dans des zones rurales, et même si c'est votre rêve d'aller vous installer dans une zone rurale, eh bien vous n'avez pas les connexions sociales nécessaires. Et ça, c'est très important pour les jeunes, je pense. Les jeunes d'un certain âge, quand ils sont en train de créer leur réseau social et qui ont besoin d'appui.
Et donc, c'est vraiment une base pour nous, mais un des grands obstacles, c'est justement les infrastructures insuffisantes. Bien, alors je vais me tourner maintenant vers Natalia, qui a analysé de nombreuses politiques au fil des ans, dans de nombreux pays, différents pays, et qui s'est penchée notamment sur le rôle des petits exploitants. Vous avez certainement mis l'accent sur les jeunes également, Natalia. Bien sûr, dans l'étude sur les petits exploitants que vous avez réalisée également pour la FAO, on évoquait de nombreux instruments à disposition. Mais ce que je voudrais vous demander, est-ce qu'il existe une panacée, une solution miracle en termes de recommandations politiques pour pouvoir appuyer les zones rurales et pour que les jeunes soient plus proches des zones rurales? Merci, Raymond. Comme Morton l'a déjà expliqué dans sa présentation, en parlant des projets sur les petits exploitants et l'agriculture familiale dans la région de l'Asie centrale, bien cela contribue à mieux comprendre le rôle et l'importance des petits exploitants et de l'agriculture familiale. Le projet a également permis d'avoir des informations sur les stratégies des moyens d'existence et finalement, ça a permis d'identifier de nombreuses recommandations qui sont développées dans trois grandes catégories. Alors moi, je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle, comme vous le demandiez. Notre recommandation aborde différents concepts comme appuyer le développement des exploitations commerciales, la diversification, etc. Mais si vous me demandez personnellement, quelles sont les mesures les plus recommandables et quelle est ma mesure préférée? Eh bien, je dirais que c'est faciliter la transformation structurelle des petits exploitants et des agriculteurs familiaux, appuyer leur croissance de la productivité qui est étroitement connectée à l'approche ciblant ceux qui cherchent à obtenir une diversification, par exemple. Et je crois que ça s'articule tout à fait avec ce qui a été dit par Doris et Hélène dans leur intervention. Donc vraiment, pour moi, la mesure phare dans les recommandations, sur une liste de 100 recommandations peut-être, c'est de faciliter l'accès au marché et également de développer des chaînes alimentaires courtes, des acteurs, incluant les différents acteurs dans le secteur agricole. Donc voilà, je fais référence aux micro-entreprises, aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux fournisseurs d'accès, aux associations d'agriculteurs, aux fournisseurs de services sociaux qui devraient être encouragés et appuyés également par les communautés locales. Et je pense qu'il y a vraiment d'énormes opportunités pour créer de meilleurs emplois pour les jeunes ruraux, pour qu'ils puissent rester dans ce milieu et peut-être pas travailler seulement dans l'agriculture, avec certainement parfois des mesures très simples, comme par exemple des bons d'achat qui permettent d'avoir accès à ce type de service ou qui les aident à se sentir plus important, à se sentir mieux, à également avoir de meilleures perspectives d'avenir, plutôt que de dépendre seulement sur les activités agricoles. Et Natalia, pensez-vous qu'il y a un grand fossé entre les processus au niveau national et au niveau local? Et qu'en pensez-vous? Enfin, ce que vous dites maintenant, bon, on l'a déjà entendu, mais comment faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent au niveau local? Est-ce qu'il y a vraiment un fossé ici et que faire pour combler ce fossé? Eh bien, écoutez, ce qu'on a pu voir dans les études menées dans les pays, c'est qu'il y avait des synergies insuffisantes entre les différentes politiques mises en œuvre par différents ministères ou entités gouvernementales, et puis un fossé par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Généralement, le plus grand problème, c'est l'absence de cohérence entre les politiques, les objectifs, les mécanismes de financement et les véritables résultats des politiques mises en œuvre par le gouvernement. Et on peut dire la même chose pour ce qui est de ce qui est mis en œuvre par les autorités locales.
Donc, parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas une bonne communication entre les différents acteurs. Chacun fait de son mieux pour mettre en place de bonnes politiques solides, ciblant les groupes vulnérables des zones rurales, notamment certains agriculteurs dans certains sous-secteurs spécifiques. Et on manque de synergie et de cohérence entre les politiques mises en œuvre au niveau national et sous-national. Alors peut-être que dans ce cas, je vais me tourner vers Ramona, qui est un membre actif du réseau de Via Campesina, qui est également une agricultrice en Roumanie. Alors, en principe, lorsque l'on parle d'autonomisation, de donner plus de pouvoir, le problème qui a été évoqué par Natalia, d'après vous, est-ce que les agriculteurs ont assez d'influence? Est-ce qu'ils ont assez de pouvoir? Et je voulais vous demander, puisque vous êtes un des champions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, est-ce que vous pensez que cela va pouvoir aider les jeunes dans ces zones? Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette déclaration, sur ce que cela peut apporter? Merci beaucoup pour cette question, Raymond. Et je remercie tous ceux qui sont intervenus avant moi. On a vraiment une discussion très riche, ce que j'apprécie au plus haut point. Alors, il y a deux questions différentes. Comment les agriculteurs, notamment les petits exploitants, comment peuvent-ils donc avoir une influence sur les politiques publiques menées dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture? Et quelle est leur véritable influence? Attendez, Ramona, mettons l'accent sur ce qu'ils peuvent faire, et notamment en lien avec la déclaration des Nations Unies. Ensuite, on reviendra sur la façon de faire. Eh bien écoutez, les petits agriculteurs présentent énormément d'opportunités, ils ont des atouts, ils ont une expérience pratique et sur le plan social, ils sont vraiment des acteurs de la société très importants puisqu'ils produisent des aliments. Et ils savent quelles sont les politiques publiques qui fonctionnent ou celles qui ne fonctionnent pas. Ils ont une bonne vision, ils ont des propositions à faire pour améliorer les choses. Ils disposent de beaucoup d'expériences pratiques sur ce qui n'a pas fonctionné, par exemple. Et je pense que dans le processus pour que cette expérience ait de la valeur pour l'ensemble de la société, nous devons en mettre en place un processus de prise de décision inclusif, transparent, qui rend des comptes, qui permettent d'inclure tout le monde dans le dialogue, dans le processus, et notamment les petits agriculteurs et les agriculteurs pratiquant l'agroécologie. C'est pas forcément ce qui se passe maintenant. Dans le processus, souvent, nos contributions sont ignorées. Et il n'y a pas de véritable participation, de véritable inclusion dans le processus de prise de décision. Nous avons besoin d'un véritable espace pour pouvoir faire entendre nos voix. Parce que souvent, nous ne disposons pas des ressources nécessaires. Où nous rencontrons notamment maintenant des difficultés très importantes. Nous devons donner la priorité à la production d'aliments. Mais pour ce qui est de la participation, des efforts doivent être déployés par les gouvernements pour nous inclure. Mais pour ce qui est de la déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, est-ce que cela va aider? Mais écoutez, cette déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, c'est un instrument qui, au départ, a été une initiative qui venait du terrain, des paysans, des communautés de paysans du monde entier. On l'a négocié pendant 17 ans dans le système des Nations Unies. Cette déclaration reflète vraiment les connaissances et l'expérience des petits exploitants de la communauté des paysans du monde entier. Nous pensons que pour ce qui est du contenu, on peut y trouver beaucoup de solutions, d'orientations sur la façon dont on peut modeler les politiques publiques, peut-être en arrêtant de chercher toujours à satisfaire le commerce, les besoins du commerce, les besoins de grosses corporations multinationales, toujours au nom du profit, et accorder une plus grande attention aux aspects sociaux dans les politiques publiques. Hein, parce que j'ai entendu ce que disait Morten lorsqu'il parlait de l'importance sur le plan social des politiques publiques. Et nous pensons que c'est quelque chose qui est absent et qui s'est dégradé constamment. Il est vraiment temps, et d'ailleurs la crise de la COVID-19 nous a montré qu'il était temps maintenant de réintégrer les droits humains dans toutes ces politiques pour que cela soit réintégré dans les politiques publiques, redonner l'importance sociale aux politiques publiques. Voilà.
Alors Ramona, je voulais poser une question à Eileen. Je voulais avoir également le point de vue des jeunes. Alors Eileen et Doris aussi, à votre avis, est-ce que cette déclaration va pouvoir faire changer les choses? Est-ce qu'elle va être utile? Est-ce qu'elle va permettre d'influencer les politiques des gouvernements? Eileen, qu'en pensez-vous? Qu'en pensent les jeunes? Eh bien, je pense que de façon générale, ce qui nous manque actuellement, c'est beaucoup de recherche pour avoir des informations vraiment sur ce que pensent les jeunes des zones rurales. Je pense que tout type de documents de mouvement dans le domaine politique, c'est important, mais il faut vraiment que ça soit fondé sur de la recherche. Et pour l'instant, c'est pas comme ça que ça se passe. Comme Ramona l'a dit, il a fallu 17 ans pour préparer cette déclaration. Bon, très bien, mais en même temps, peut-être que ça veut dire que le document ne prend pas en compte la situation en matière du coronavirus actuellement. Il faut vraiment que toutes ces choses soient mises à jour de façon continue pour inclure les dernières évolutions. Il faut que tout soit basé sur de la recherche parce que sinon, on ne peut pas vraiment se comprendre de qui on parle, à qui on parle. D'accord. Et Doris, quel est votre point de vue sur cette question? Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut vraiment également passer de l'écrit à l'action. Parce que d'un côté, il y a tout ce qui est écrit, mais d'un autre côté, ce qui est important, c'est seulement ce que l'on fait sur le terrain, dans l'action. On a vraiment besoin d'action. Au quotidien. Oui, c'est vrai. De mon point de vue, c'est un point essentiel. Et d'ailleurs, cela me permet de maintenant me tourner vers Daniyar Kensegulov. Daniyar, qui est un éleveur au Kazakhstan, qui a travaillé pendant 10 ans dans le secteur de l'agriculture. Et j'aimerais vous demander, Daniyar, comment vous voyez les choses pour ce qui est du pouvoir dont disposent les agriculteurs? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place, surtout du point de vue d'un pays comme le Kazakhstan? Doris a dit, bon, très bien, avoir quelque chose sur papier, c'est une bonne chose, mais on a vraiment besoin d'actions concrètes. Et à votre avis, quels sont les points clés pour vous? Merci beaucoup de votre question. Oui, je suis d'accord avec mes collègues. Le Kazakhstan dispose d'un énorme potentiel dans le domaine de l'agroalimentaire. Ça fait 10 ans que je travaille dans ce secteur avec le financement de différents projets agricoles, petite échelle, moyenne échelle, pour développer des entreprises dans l'agroalimentaire du Kazakhstan. Un de ces projets, c'est notre entreprise, justement. Ça fait plusieurs années que je travaille pour cette entreprise. Et nous avons plusieurs exploitations agricoles en fait. Une exploitation où on élève du bétail. Et puis une autre entreprise pour ce qui est de la transformation. Sur la base des ressources qui ont été affectées par le gouvernement pour appuyer des projets comme le nôtre, eh bien, nous avons pu pas seulement, ça permet pas seulement de développer de grandes exploitations, mais également d'aider de petits exploitants. Par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec des petits agriculteurs, pas seulement en leur achetant des têtes de bétail, mais également en les aidant avec des formations, par exemple, en leur donnant accès à différents services vétérinaires ou autres, ou différentes techniques de manipulation du bétail. Donc nous coopérons avec eux très étroitement. Nous leur donnons toujours un prix juste pour leurs animaux d'élevage. Ils ont toujours un marché, finalement, pour leur bétail. Et vous savez, c'est mutuellement bénéfique, cette coopération entre nous. Et le gouvernement appuie pas seulement les grandes entreprises, mais également des petites entreprises. Et nous, par exemple, on accorde à ces petits éleveurs le juste prix pour leur bétail. C'est un exemple, de la façon dont le gouvernement peut mettre en œuvre des actions réelles, pas seulement sur papier, mais sur le terrain pour aider véritablement des petits exploitants. Daniyar,
Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'investissements dans le secteur agricole? Est-ce qu'il y a assez d'investissements publics pour le secteur de l'agriculture? Ou est-ce qu'il faudrait plus d'investissements? Bon, écoutez, je dirais qu'il y a suffisamment d'investissements dans notre pays. Le gouvernement apporte son appui à un bon niveau. Il n'y a peut-être pas suffisamment de ressources humaines. Bon, vous savez, la production des animaux d'élevage est de plus en plus populaire chez les jeunes dans notre pays. Et avec certains facteurs, comme par exemple la COVID-19 dans le monde et la réduction du nombre d'emplois dans les villes, il y a de nombreux jeunes qui commencent véritablement à réfléchir à rentrer chez eux, dans leur campagne, dans des zones rurales, pour aider leurs parents, pour développer la production de l'élevage, grâce à l'appui du gouvernement avec ses ressources financières, des prêts, par exemple, à faible coût, ou une assistance technique. Hein, et c'est ce genre de choses qui sont intéressantes pour les petits exploitants. Et oui, voilà des points très intéressants. Et j'aimerais maintenant me tourner vers Kanat, qui a analysé et également examiné certains types d'investissements, et notamment ce qui se passe en termes d'envoi de fonds dans les campagnes, en Asie centrale. On sait qu'au Tadjikistan, un tiers des envois de fonds, ou du moins les envois de fonds représentent un tiers du PIB. Alors Kanat, est-ce que vous pensez que les populations des zones rurales dans le secteur de l'agriculture peuvent bénéficier de ces envois de fonds? C'est vrai que les choses sont compliquées à cause de la COVID-19 actuellement, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important? Est-ce qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter encore ces choses et ces actions concrètes sur le terrain? Écoutez, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a de nombreuses initiatives qui ont été lancées par les migrants eux-mêmes, qui investissent pas seulement dans leurs actifs personnels avec des envois de fonds, mais ils investissent également, par exemple, pour développer le nombre, accroître le nombre de têtes de bétail. Et donc, ils utilisent le bétail en tant qu'actif. Et cela s'est développé au fil des ans, au fil des 15 dernières années. Par exemple, il y a eu une augmentation de 45%. Et on y a une augmentation du nombre d'animaux d'élevage. Mais on utilise également ces envois de fonds pour finalement remplacer des investissements publics. Il y a des cas où les migrants collectent de l'argent, par exemple, pour l'investir dans l'alimentation, de l'eau propre, ou pour payer des écoles ou d'autres installations publiques. Et c'est un des effets que l'on peut observer dans de nombreuses zones du Kirghizistan. Vous avez tout à fait raison. Et cela montre définitivement certains aspects que Hélène et d'autres ont évoqués. Il y a un manque de financement dans le secteur de l'agriculture au Tadjikistan, et on a besoin de gros investissements dans les installations publiques, les routes, les écoles, les hôpitaux, même l'accès à Internet, par exemple, parce que c'est très compliqué dans les zones rurales reculées. Et nous devons donc permettre cela pour pouvoir améliorer la vie dans les zones rurales et pour que les populations restent dans ces zones. Je pense qu'une des options pour les agricultures, c'est également de nouvelles opportunités, par exemple l'apprentissage en ligne, à distance, la formation en ligne. Et c'est vraiment un besoin très important, très urgent. Et on a pu voir que c'était encore plus important avec la quarantaine, les blocages qui ont été mis en place dans le monde. Ça permet de continuer à aller à l'école en ayant ces formations, cette éducation en ligne, où on a vu que de nombreux résidents des zones rurales étaient bloqués dans leurs maisons, dans les villages. Mais s'ils ont la possibilité d'avoir accès à l'éducation, à du matériel de formation en ligne, ben, ce serait beaucoup mieux pour eux. Alors, continuons à parler des investissements. Vous avez dit que oui, c'était quelque chose qui se passait, mais est-ce que le secteur privé en fait assez, par exemple, de la part des banques, le rôle des banques?
Est-ce qu'il y a suffisamment de participation des banques dans les infrastructures sociales, dans les PME, ou est-ce qu'il faudrait encore plus? Eh bien, nous devons travailler, par exemple, pour accroître l'accès à ce type de service pour les petits exploitants. Parce que l'accès au crédit est beaucoup plus facile pour le secteur des services. Mais pour le secteur de l'agriculture, les taux d'intérêt, par exemple, sont encore très élevés dans le pays. Donc, il faut quand même améliorer l'accès pour des investissements à long terme, avec des produits spécifiques pour des investissements dans de l'équipement, par exemple, ou certaines infrastructures. Ça pourrait être amélioré, ça serait très utile pour les petits exploitants. Et d'ailleurs, ça permettrait certainement également de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes dans les zones rurales. Alors, me donnons la parole à la BERD. Est-ce que la BERD, cette Banque européenne de reconstruction et d'investissement, en fait assez en termes d'investissement? Et j'aimerais donner la parole à Nadia Petkova, directrice du réseau régional sur les PME et le financement et le développement de la BERD. Donc, écoutons ce qu'elle a à nous dire sur ce que fait la Banque européenne de reconstruction et de développement. Est-ce qu'elle facilite ce type d'investissement? Donner aux PME des solutions financières et un savoir-faire, c'est au cœur de l'initiative des petites entreprises de la BERD. Nous conseiller nos petits clients dans tous les secteurs, y compris l'agroalimentaire, en leur mettant à leur disposition une expertise locale et internationale pour les aider à développer leurs capacités et accroître leurs possibilités d'avoir accès au financement. À la BERD, nous nous sommes ajustés à cette nouvelle réalité et nous fournissons tous nos services maintenant par voie numérique. Et ils sont accessibles pour les petites entreprises pendant la crise. Nos équipes de conseillers sur le terrain ont organisé plus de 200 webinaires et formations en réponse à la crise, qui ont touché plus de 10 000 participants. Et nous travaillons sur différentes plateformes qui rassemblent des petites entreprises avec des consultants et qui font des formations grâce à cette académie de formation. Les petites entreprises, notamment les jeunes entrepreneurs, ont été vraiment frappés de plein fouet par la crise actuelle. Cela a réduit leur capacité à avoir accès à des crédits. Les chaînes d'approvisionnement ont été interrompues et ce qui fait que la plupart des entreprises qui dépendent de tout un réseau de fournisseurs n'ont plus avoir accès à des fournisseurs. Et le problème de l'accès aux finances est important. À la BERD, nous travaillons avec des plus grandes entreprises en renforçant les chaînes d'approvisionnement, en donnant nos conseils, en travaillant pour qu'il y ait des fonds de roulement à disposition pour les fournisseurs. Nous explorons également la façon de donner des opportunités de financement pour toute la chaîne d'approvisionnement, y compris pour les petits exploitants. En 2019, la BERD a lancé son programme de compétences et capacités des petits entrepreneurs. Nous avons ce programme pour des petits entrepreneurs ou des plus grandes entreprises qui sont intéressées, qui veulent investir dans la main-d'œuvre représentée par les jeunes, pour que leur entreprise soit plus accueillante pour les jeunes. Eh bien, merci beaucoup, Nadia Petkova, directrice du réseau régional des PME de la BERD. Vous avez souligner que la BERD travaillait également sur les jeunes dans le cadre de différents programmes. Alors, dans ce cas, je m'adresse à Natalia et Kanat. Parlons maintenant de l'université, de la recherche. Elina l'a dit auparavant, lorsqu'on parlait de la déclaration sur les droits des paysans, on a besoin de plus de recherche. Et au fil des ans, je crois que nous avons vu que l'instruction dans les universités s'est améliorée dans les régions. Mais que pouvez-vous nous dire pour ce qui est des jeunes, des investissements et également des opportunités en matière de recherche? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour appuyer ces transformations? Que peut faire le secteur académique également? Et puis peut-être une troisième question. Non, je vais vous laisser répondre à ces deux premières questions et puis je reviendrai ensuite avec une autre question. Natalia?
Oui, très bien. Alors, j'ai été ravie d'entendre Hélène dire qu'ils ont disposé de beaucoup de données, de recherches également, les résultats de différentes études qui ont été réalisées sur les jeunes agriculteurs et les jeunes des zones rurales. Et donc, je vais moi-même aller rechercher tout cela sur Internet pour trouver certaines références. Ce que je peux vous dire sur les pays des Balkans, c'est que nous avons commencé à travailler dans le cadre du projet sur les petits exploitants et agriculteurs familiaux. Et là, on n'a pas assez d'éléments factuels quant à leur comportement, quant à l'attente des jeunes et de façon générale pour ce qui est des attentes des populations rurales. Une des recommandations de cette étude était que nous avions besoin de plus d'informations, de plus de projets scientifiques appliqués portant sur les aspects du comportement, des paramètres économiques concernant les jeunes des zones rurales et les agriculteurs de façon générale. On se penche toujours sur ce que font les décideurs politiques, quelles sont leurs aspirations, est-ce que cela s'articule avec les politiques de l'Union européenne ou avec différents aspects de l'analyse compétitive pour ce qui est des budgets, des mesures appliquées, des seuils d'utilisation, etc., etc. Mais je suis convaincue et je pense que je connais bien tous les documents qui sont publiés sur notre région et je sais qu'il n'y a pas assez d'éléments factuels à l'appui des décideurs politiques pour leur prise de décision, pour savoir quelles orientations ils devraient choisir, savoir quels sont l'avis, les attentes des jeunes. Le problème, c'est que dans les différents ministères ou le monde universitaire, généralement, ils ont des programmes différents. Moi, je fais partie du monde universitaire et notre travail, souvent, est mesuré ou évalué, pas forcément par rapport à son application sur le terrain, mais plutôt par rapport à des résultats scientifiques. Et de façon générale, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Alors, cela manque peut-être parce que d'une certaine façon, nous n'avons pas assez de ressources financières, pas assez de capacités pour réaliser des études bien conçues, bien contextualisées, sur le terrain pour évaluer les résultats. Donc, vraiment, c'est pour cela que je voulais appuyer ce qui a été dit par Hélène. C'est vraiment quelque chose que doivent faire les décideurs politiques et dont ont besoin les décideurs politiques. Kanat, est-ce que vous diriez que on n'a pas suffisamment d'argent pour mener cette recherche? Parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est que les jeunes dans les universités, les jeunes agriculteurs étudient dans des universités, mais la recherche n'est pas appliquée à eux, à leurs besoins. Alors, qu'est-ce qui manque ici? Je crois qu'il y a deux choses. Tout d'abord, bon, je ne connais pas la situation en Europe, je suppose que c'est différent de celle du Kirghizistan. Dans les zones rurales, les populations ont des niveaux plus faibles d'instruction. J'ai parlé avec de nombreux agriculteurs et ils ont pu être confrontés à des recommandations de la part des chercheurs et souvent ils trouvent que c'est des choses beaucoup trop sophistiquées et ils veulent des recommandations plus pragmatiques qui soient présentées également plus simplement. Ils veulent qu'on leur présente des choses plus simplement. Ils veulent savoir exactement ce que l'on leur propose de faire. Donc on a besoin de recommandations pragmatiques. Présentant des idées et également des décisions concrètes. Ils veulent savoir, par exemple, si je leur dis il faut protéger vos terres, il faut que je leur dise comment ils peuvent faire. Alors voilà, hein, il faut dire bien, dans votre zone, par exemple, vous pouvez faire zéro labour. Mais alors ils vont me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire zéro labour? Comment est-ce que je peux apprendre des choses sur cette méthodologie? Donc voilà, ça c'est des choses que l'on doit faire de notre côté. Nous ne devons pas penser que à préparer des connaissances, à produire des connaissances, mais surtout à apporter ces connaissances de façon plus simple aux agriculteurs.
Donc, ce que vous dites finalement, c'est qu'il y a trop de recherches générales et pas assez de sciences appliquées directement et peut-être pas assez d'implication des services de vulgarisation également. Oui, c'est tout à fait ça. Ah voilà, ça m'amène à une bonne transition ici. Bon, je vois que le temps passe également, mais je voulais. On a abordé de nombreux problèmes, de nombreuses questions. Et qu'en est-il du plan d'action de la décennie des Nations Unies sur l'agriculture familiale? Un objectif de ce plan d'action, c'est justement de mettre en lumière l'agriculture, les jeunes des zones rurales. Ramona, vous avez contribué à la préparation de ce plan d'action en votre capacité de représentante de la Via Campesina. Est-ce que vous pensez que cela va permettre de faire avancer les choses pour ce qui est du développement des zones rurales? Oui, nous pensons que des instruments comme la Déclaration des Nations Unies pour l'agriculture familiale, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones, cela représente les meilleures opportunités pour nous de nous donner une meilleure orientation pour modeler les politiques publiques dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture. Historiquement, nous avons toujours fait face à des discriminations en tant que petits exploitants. Et c'est vraiment un problème qui n'a pas été suffisamment traité. Et maintenant, la crise de la COVID-19 ne fait qu'aggraver nos problèmes. Et d'ailleurs, nos droits humains ne sont vraiment se dégradent. Et je voulais peut-être vous donner un peu plus donner un peu plus d'informations aux jeunes agriculteurs qui écoutent peut-être cette discussion. Il est très important de pouvoir utiliser les instruments qui ont été créés en se fondant sur des expériences provenant du terrain. Parce que souvent, les politiques publiques sont déconnectées de la réalité. Donc, quand on dispose d'un instrument qui repose sur l'expérience des communautés de paysans, il est vraiment très important de l'examiner correctement et d'essayer de l'utiliser dans la mesure du possible dans notre contexte. Et je pense qu'il est très important maintenant et opportun de parler des droits humains dans les politiques publiques parce que cette crise montre aujourd'hui le revers de la médaille en fait. Les priorités qui ont été jusqu'à présent accordées pour répondre aux besoins du commerce en oubliant les personnes, les populations et en laissant de côté les petits exploitants, les petits agriculteurs familiaux. Il est vraiment temps de se reconcentrer sur eux. On parlait auparavant des investissements. Alors, il est très important de parler d'investissements responsables. Historiquement, les acteurs financiers, les institutions financières comme les banques, bon, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, par exemple, ont participé de façon négative au processus en appuyant des investissements irresponsables qui ont détruit les marchés, notamment en Europe de l'Est. Et il est vraiment temps de redonner la priorité à certains critères sur lesquels se fonde le processus de politique publique. Il faut donner la priorité aux marchés locaux, aux droits humains, aux jeunes, pour ne plus priver les jeunes d'opportunités dans les zones rurales en permettant des investissements sauvages qui s'accaparent les terres, les ressources et les opportunités d'avenir. Donc nous sommes ici, nous participons à la conversation parce que nous avons des partenaires institutionnels comme la FAO, que nous apprécions vraiment beaucoup pour son ouverture, pour sa compréhension de la réalité. Et nous sommes prêts à contribuer. Nous avons besoin de gouvernements plus ouverts qui doivent faire des efforts pour nous inclure parce que nous pensons que c'est quelque chose qui a manqué dans les politiques publiques jusqu'à présent. Qui ne mettre en place que des projets pilotes pour les jeunes. C'est plus suffisant. Nous avons besoin de changement, nous avons besoin d'une approche systémique, systématique. Et oui, nous disposons de tous les éléments pour les convaincre. Hélène et Doris, je voulais vous demander à vous également à Bessig, vous avez entendu Ramona qui est également une agricultrice, bien sûr, donc elle parle sur la base de son expérience. Alors, cela a été dit avant, nous avons besoin d'action. Donc là, on a un plan d'action mondial. Alors, est-ce qu'il y a assez d'action, de mesures concrètes dans ce plan d'action de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale, de votre point de vue? Hélène, peut-être tout d'abord, ensuite Doris, et puis Bessig, je vous pose également la même question.
Je pense que c'est une bonne initiative, bien sûr, mais il y a toujours la question de la mise en œuvre. Merci beaucoup, Ramona, pour tout ce que vous avez dit, parce que je pense que ce que l'étude a montré, celle dont je parlais précédemment, c'est que seulement 13% des jeunes pensent qu'ils ont un mot à dire pour l'avenir de leur communauté. Ce qui veut dire que les jeunes ne sont pas inclus dans les discussions concernant leur propre vie. Ils ne sont pas inclus dans les discussions concernant leur propre avenir. Et ils doivent pouvoir participer à ces discussions sur ce à quoi va ressembler leur vie à l'avenir. Et ça concerne pas seulement les zones rurales d'ailleurs, hein, c'est général, mais notamment dans les zones rurales où les distances peuvent être très éloignées, où parfois il est difficile de participer physiquement. C'est quelque chose qui doit être facilité pour que les jeunes puissent vraiment participer au processus de prise de décision concernant leur réalité. Et nous avons suggéré avec Sijat et Mijak, une organisation des jeunes catholiques agricoles. Nous avons fait un manifeste pour les élections européennes 2019. Dans ce manifeste, nous avons suggéré de plus inclure le secteur des ONG, notamment les ONG des jeunes ruraux, pour qu'elles se fassent entendre au niveau local, national, international. Et puis faciliter également la coopération internationale, parce que comme Ramona l'a dit, c'est quelque chose qui est essentiel pour renforcer les capacités des jeunes dans les zones rurales. Et puis, oui, avoir plus d'études de statistiques pour pouvoir démontrer l'impact de ce type de mesures. Doris, est-ce que nous avons suffisamment d'actions? Non. Non, j'appuie tout ce qui a été dit auparavant. Nous avons besoin de plus d'instruments, de mesures, bien sûr. Nous devons travailler avec tous les jeunes agriculteurs dans les zones rurales et nous devons nous assurer que personne n'est abandonné en chemin. Et quand je dis nous, c'est parce que nous connaissons les zones rurales, nous avons le pouvoir, nous pouvons co-créer les zones rurales dans lesquelles nous voulons vivre. Et basic. Est-ce que le plan d'action mondial, c'est quelque chose qui, à votre avis, sera utile? Vous avez dit au départ que la Géorgie était un excellent pays pour mener des activités agricoles à petite échelle. Est-ce que le programme d'action mondial apporte quelque chose dont vous avez besoin pour pouvoir vous développer? Micro, s'il vous plaît, Basic. Oui, ma recommandation pour les jeunes agriculteurs, c'est d'avoir plus d'éducation, plus de connaissances, plus d'informations. Et puis, je leur dis également de travailler dur et de façon intelligente, je dirais. D'accord, donc vous dites qu'ils doivent travailler dur et de façon intelligente. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la déclaration va pouvoir faciliter ce processus. Alors, sur la part de ce que vous venez de dire, peut-être qu'on aurait besoin de vendredi pour l'avenir des jeunes et du développement rural. Donc, on doit arriver à un stade où les jeunes des écoles manifestent chaque vendredi en faveur des zones rurales, comme ils le font actuellement pour le changement climatique. Merci beaucoup, merci à vous. Je regarde le temps qui est passé, l'horloge. Nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Il y a de nombreux points qui ont été évoqués et présentés ici. Nous avons vraiment eu une discussion très riche. J'ai apprécié les différentes contributions de chacun d'entre vous. Et je crois que cela donne matière à réflexion pour tous les pays membres, parce que rappelons-nous que cette discussion, finalement, va permettre de lancer le débat entre les membres à la conférence régionale. Et les membres et puis les observateurs, je crois que certains comme Ramona participera du point de vue de la société civile. Donc on discutera à la conférence régionale des priorités pour la région, de l'appui à apporter aux petits exploitants, aux agriculteurs familiaux. C'est une des principales priorités dans le cadre d'une des initiatives régionales de la FAO, qui va continuer à mettre l'accent sur ce sujet et en tenant compte de vos suggestions, des contributions que nous avons pu entendre aujourd'hui. C'est vraiment très important également de prendre en compte tout cela. Donc, maintenant, sur la base des discussions qui ont lieu aujourd'hui, nous attendons avec impatience les décideurs politiques qui seront présents à la conférence régionale. Nous attendons plus d'actions, de recommandations, également de la part du secteur privé, de la société civile. Et voilà, à suivre donc. Merci beaucoup de votre participation.